Tu veux vivre une expérience internationale pour tes études supérieures, mais la barrière de la langue te fait peur. Ça tombe bien, les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont là pour toi. C'est bien moins cher, ça parle français, puis c'est en Amérique. Viens-t'en. On a de la place pour toi dans nos cégeps. Un cégep, bien, c'est le premier échelon des études supérieures au Québec. Tu peux y suivre une formation générale ou une formation technique qui te permettra d'acquérir des connaissances pratiques et concrètes. Avec ton diplôme, tu peux intégrer le marché du travail ou même poursuivre à l'université. Mais comment ça se passe dans un cégep? Tu peux travailler, étudier, manger, t'entraîner et même te détendre. C'est pas compliqué. Tu peux vivre ici. On organise une multitude d'activités sociales et culturelles. On rencontre de nouvelles personnes. On travaille fort et on sait s'amuser. Le cégep offre ça. Il y a énormément d'activités à faire à côté. Puis c'est beaucoup d'expériences à acquérir à côté de ses études. C'est un plaisir de venir au cégep. C'est trop bien. Les gens sont beaucoup plus ouverts puis se prennent beaucoup moins la tête. Tout le monde salue tout le monde ici. Quand même, on se connaît pas, on salue, ça va. La sonnerie, rien que ça. Enfin, nous, en France, il y a des sonneries. Ici, il n'y a aucune sonnerie. Tu viens, tu pars, t'es libre. On a beaucoup de théories en cours, on a beaucoup de pratiques en cours. On peut travailler chez nous, on peut discuter avec les profs, on peut leur envoyer nos programmes, on peut tout faire. On est vraiment considérés comme des adultes. Eh bien oui, tu ne le sais pas, mais ici, à 18 ans, t'es majeur. Donc, on te traite comme un adulte. La relation avec les professeurs, c'est pas la même du tout. Déjà, les classes sont beaucoup plus petites. C'est plus simple, en fait. C'est plus naturel, plus humain, en fait. On nous accompagne plus. Ici, tout le monde se tutoie. Il n'y a pas de barrière entre le professeur et l'élève. Le gros avantage, je trouve, c'est qu'on a accès à beaucoup d'équipements. On est libre d'utiliser, de réserver des studios, de prendre n'importe quel équipement, de tester, de s'amuser. Puis après ça, grâce à un stage, tu vis ta première expérience professionnelle dans ton domaine d'études. Et quand on arrive sur le marché du travail, on est prêt. C'est pas beau, non? Mais là, tu te dis, OK, mais c'est quoi le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Eh bien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean... Ça ressemble vraiment comme dans les films. On dirait un petit village de 30 000 habitants. Le plus des paysans, c'est tout est gros. T'es gros. Je pense qu'elle parlait des routes. Ouais, des maisons, des voitures. Tu vois le lac Saint-Jean, en été et en hiver, c'est incroyable. En hiver, t'as l'impression que c'est un désert de glace en Alaska quand tu vas prendre une marche en raquette. Et puis l'été, tu peux te baigner dedans. Je me suis déjà baladé en forêt et tout, l'été et même l'hiver. C'est grand. C'est ça, c'est la première des choses. C'est grand, 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 grand. Ça, ça fait du bien. Respirer, être là. Tout l'hiver, on fait de la luge. Tout l'hiver, on monte, tout le temps, on glisse, on se pose, on regarde le ciel, il y a plein d'étoiles. Enfin, c'est magnifique, la neige dans les sapins. Le premier mot que j'ai appris, c'est fret. Tu fais fret ici, parce qu'il fait très froid. Ah, je viens ici avec trois pantalons. Ah ouais, des fois, c'est dur. Un petit mois 10, je suis sorti de chez moi, je dis, waouh, il fait bon. Avec un gros blouson, deux pantalons. J'étais content. Là, j'étais bonhomme. Là, je suis un nordique. J'étais un guerrier, j'étais content. On a même notre propre langage. C'est une façon de parler différente, mais pas plus compliquée. Comme ça se peut-tu? Tu manges-tu ou tu vois-tu? On a aussi notre propre culture culinaire. J'étais accueilli par une éducatrice spécialisée. Donc c'était vraiment une aide indispensable et vraiment appréciée. On n'attend pas que tu demandes, poses certaines questions. On t'approche directement et on t'ouvre les opportunités. Il y a un suivi excellent qui se donne en fait. C'est qui a facilité en fait mon intégration et j'ai trouvé le cadre idéal. Toutes les possibilités en fait sont dans tes mains et c'est à toi de choisir. Donc je dirais aux personnes qui veulent venir vraiment ici. Il y a tout pour réussir. Viens-t'en, on t'attend.